Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va lire un texte concernant la violence à l'école. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La violence à l'école La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique, et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école entend que lieu d'apprentissage et de socialisation ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisibles, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire pour Prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence à l'école La violence à l'école La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes. Elle peut se manifester de nombreuses forme allant de la violence physique à la violence psychologique allant de la violence physique à la violence psychologique et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement Scolaire. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Or, l'école en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence, si les enfants évoluent dans un environnement marquée par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Ou psychique d'une personne à ses droits ou à sa dignité ou psychique d'une personne à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir L'intervention. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention. En milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant. En milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant. Divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. Divers niveaux d'intervention. Et l'ensemble de l'environnement scolaire. Maintenant, je vais relire le texte. La violence à l'école. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire.